pas les moyens de tu viens dans le live? Pourquoi tu viens dans le live? Attends, viens. Viens voir que je sais pas mettre le chauffage. T'as 50 ans, tu vis chez ta daronne. Avec ta moustache et ton front de 40 cm. Espèce de que tu es. Richard, la porte est porte. Ta mère. Pardon. Pourquoi il est encore là, lui? On me disait elle plaise. Je dis non, tu vois, il avait la gueule. T'as une tête de gland, la vérité. Quand je regarde ma bite, elle est plus belle que ta tronche. J'ai déjà fait le carnaval. J'avais une pneumonie. Hein. Rien à foutre, il fallait que j'y sois. Ouais, alaykoum salam. C'est là où il y a une différence entre. Vous faites attention parce que la frontière est fine avec le fanatisme. Voilà, c'est ça. C'est pas du fanatisme. Non, mais c'est par rapport à. C'est un moment que tu attends toute l'année. Bah, en fait, c'est ça le Gilles. C'est ça un Gilles. Faudrait qu'à un moment tu mettes le chauffage parce que là, on dirait une SDF dans sa maison. Mais non, pourquoi tu as de Attendez. Richard, tout va bien dans ma vie. Je reviens d'un carnaval, ok? Je vais pas sortir toute nue pour te faire plaisir. Ok, t'as compris? Je vais pas sortir toute nue pour te faire plaisir. Oh, mais tu as vu ta tronche, Richard? Pourquoi t'en prends la vérité? Oh, tu es là, tu peux pas bon homme, tu pas bon homme, t'as demandé pas un bon homme. Mais tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Richard, comprends. Richard, je peux te poser une question. Pourquoi s'il te plaît, pourquoi? Dis-moi une question. Attends, s'il vous plaît. Non. Tu viens dans le live. Attends, après tu veux m'insulter, tu m'insultes. Je m'en bats les couilles. Je veux juste comprendre. Tu viens dans le live. Tu dis salam alaykoum. On t'accepte normal, on parle avec toi. Pourquoi tu l'attaques à elle? Pourquoi tu l'attaques? Parce que ça m'énerve de voir des gens sur Bigo. À chaque fois, ils n'ont pas les moyens de. Pourquoi tu viens dans le live? Pourquoi tu viens dans le live? Attends, viens. Viens voir que je sais pas mettre le chauffage. Tu veux voir la télé? Richard, je vais juste te dire un truc. Moi, j'ai du respect pour As parce que je connais sa famille, donc et Bigo et tout. J'ai du respect pour son linge, s'il te plaît. Dans les détails, est-ce que ta mère t'a bien élevé? Oui, j'étais bien éduqué, j'ai beaucoup de respect. Alors, pourquoi tu viens foutre ta mère d'ici? Parce que sur Bigo, ça m'énerve, les gens se prennent trop au sérieux. La plupart des gens, ils n'ont pas d'argent. Mais tu n'es pas pris. Alors, on la connaît, Lucien. C'est une des nôtres. Toi, t'arrives. Oui, mais le chômage, Richard. T'es en train de parler de chômage. Montre-moi ta maison, fils de pute. Montre-moi ta maison, j'ai une câble. Mais il vit dans sa chambre, il a mis dans sa montre ta maison, s'il te plaît. Montre ta maison, dis-moi. Montre ta maison, vite fait comme ça. Mais c'est génial. Normal, t'es élevé par ta mère. Tu vis chez ta daronne, frérot. T'as 50 ans, tu vis chez ta daronne. Oh, tu veux te moquer d'une femme, elle t'a rien fait avec ta moustache et ton front de 40 cm. Espèce de que tu es. Enlève ta casquette. Oh, je te dis ta mère. Fils de p. Et je suis bon. Tu l'as pas, mec. Oh, c'était pas content. Ouais, t'as des meufs. Des meufs comme AS. Tous les jours, j'en chope. Ouais. Mais tu sais quel genre de mec tu es? Attends, parce que moi, je vais le décrire un petit peu, tu vois. Quel genre de mec qui aime les femmes bien gaulées, tu vois. Qui se plaint de se faire michetonner comme une chouette. Mais c'est toi qui veux te la prendre dans le cul, en fait. C'est tout ce que tu es. Ah, mais c'est tout ce que tu es. T'es une chouette. Oh là là, j'arrête. Putain, je me suis pas une gaufrette et moi je battais les chattes, moi. Et après, je jouais au volley. Moi, je voyais leur poitrine bouger, là. Ah, on me disait elle plaise. Je dis non, tu vois, ils avaient la gueule. Richard, regarde l'écran. Pourquoi il est encore là, lui, concrètement? La vérité, si toi, j'ai caché dans un trou, la vérité. La vérité, t'es une chienne, mon gars. T'es une chienne. Moi, les mecs comme toi, je leur pisse au cul, t'as compris? Tu vaux rien. Tu verras, des meufs comme toi.
toi, j'en pécho aussi. Viens, bah, mais je du tout, t'es ah, t'as vu, As, avec le médaille. Ah, t'as vu, c'est une gadji. Avec le médaille, comme ça, t'as dedans. Elle a du charme. Contrairement à toi, elle a du charme. Bah, mais c'est alors pourquoi tu lui manques de respect? Parce que c'est la manière à moi d'approcher les filles. T'es une tête de gland, la vérité. Quand je regarde ma bite, elle est plus belle que ta tronche. Vieux type. Mais t'es toute godasse de coda. Qu'est-ce que t'es venu ici, là? Tellement j'ai craché sur mon écran à cause de toi. Les meufs, elles te donnent pas l'heure. T'es obligé de laisser de les hagar comme ça sur un live. Allez, casse-toi. Ouais, c'est comme ça que j'arrive à se faire. C'est comme ça. Hey, Lisma, c'était sa technique. Si tu veux que je te dise une chose, quand tu seras capable de faire rêver une femme sans essayer de lui toucher sa chatte. Parce que t'es le genre de mec en fait. T'es juste bon à toucher des chattes. Après, tu sais pas gérer une femme, tu sais pas ce que c'est que de gérer une femme. T'es le genre de mec qui a tellement un gros bide qu'il voit même pas sa teub. Ouais, grave. Mon mec sans live. Comment elle sait? Bah vas-y, mais regarde, on voit que t'as un gros ventre, on voit que t'as un sale gros. Il va nous faire quitter le live, il va mettre son chien. Ah, il est parti. C'est moi, je l'ai viré, ce fils de pute. Il crache sur mon téléphone à cause de lui. Je suis désolé, sincèrement, je suis désolé. Par contre, t'es dit. Détends-toi. T'es dit, à tout moment, je me suis dit, il va tout casser dans sa chambre. Il y a des gens, ce sont des ouf. C'est n'importe quoi. Il a craché sur son téléphone. N'importe quoi. Excuse-moi. Oh, t'as l'air, c'est quoi? Oh, j'ai été gâché quand je veux. Lisma, t'as rien fait. Non, mais moi, ça me saoule. Les gens, ils arrêtent pas de venir me casser les couilles sur mon live. À chaque fois, c'est systématique. Ils sont vraiment pas gentils. Ah, Isma, fais moi un bisou. Grâce à moi, elle a mis un peu de chauffage chez elle, les gars. Grâce à toi, bien que t'as plus de valeur que ces gens de personnes. Je suis dans mon garage, je fume une clope ou je fume un pétard. Les gens, ils viennent me prendre la tête en mode tu es dans ton garage. T'es une baraque. Dis-toi une chose, Isma, c'est que t'as plus de valeur que ces gens de personnes. Ayane, moi, je vais travailler tous les jours, tu vois. J'attends rien de personne, je dois rien à personne. Les gens de Bigot qui sont ici, la plupart, ils viennent essayer de me donner des leçons, je gagne trois fois leur salaire, tu vois. Dis-toi bien, tu vaux plus que ces gens-là, tu as plus de valeur que ces gens-là. Oh, t'as rien à prouver à qui ce soit. Qui sont sur le live ou sur Bigot, frérot, tu trouveras pas grand-chose, hein, je te dis. Exactement. Mais je cherche personne, moi, sur le live et sur Bigot, tu vois. Moi, la vérité, quand je viens sur Bigot, c'est parce que je suis toute seule, que j'ai envie de papoter ou que je dessine en fait, et que j'ai envie de partager quelque chose, tu vois. Là, maintenant, je vais prendre la douche, je vais reculer tout et je suis reparti, je vais rien dormir. Voilà, va fumer ton pétou, va faire une bonne sieste, et quand tu veux, tu viens le sang. En tout cas, moi, je suis. Il n'y a pas de sieste, de le sang. Elle prend la douche, elle refume un tout et elle ressort. Ah, ok. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche. We'll be right back.